Les gars, je vous avais dit, je vous ai toujours dit que le Burkina a changé de paradigme. Ce soir, aujourd'hui, là, les reportages au front, c'est grave. C'est grave. Le Burkina est devenu, n'est-ce pas, le cauchemar des terroristes. Les nouvelles du front, non, c'est pitoyable. C'est lamentable. C'est foudroyant. C'est dangereux. C'est les dangereux. Ils ont sorti tous les missiles. Je dis, hein, il faut stopper Ibrahim Traoré. Parce que c'est gâté. C'est gâté. Même les terroristes commencent à fuir. Les terroristes commencent à courir. Ils courent comme des lapins. Tellement que la puissance de feu, elle n'est pas bonne. Elle est cauchemardesque. Les terroristes, aujourd'hui, où je vous parle là, ils ont décidé d'abandonner les armes et tout. Et puis ils fuient. Les gars, regardez la vidéo là. C'est gâté. C'est gâté. Les vecteurs aériens les surveillent et au bon moment frappent avec succès le QG. Ils sont touchés et brûlent pour la plupart dans leur QG. Logistique partira également en fumée. Dans le même temps, dans la zone de Guinada, toujours au Sahel, des criminels terroristes se retrouvent sous des arbres aux abords de la route. Partie se concerte sous cet arbre qui est automatiquement verrouillé. Ils sont foudroyés avec efficacité. Wow. Se croyaient rescapés près de la fuite, mais n'iront pas loin car blessés pour la plupart, ils vont finir par s'écrouler. Les corps calcinés sont visibles depuis les cieux. Dans le même temps, les recherches ont permis de découvrir une base terroriste à 10 km de Padma. Les terroristes s'y sont bien installés sous les buissons et menaient leur vie paisible de criminels jusqu'à ce jour et de façon impunie. Sont verrouillés, les frappes vont s'enchaîner. Des rescapés blessés rampent de toute leur force à travers les herbes, mais peine perdue. Seront consumés dans les flammes et les feux intensifiés par leur logistique. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent. Frères et sœurs, c'est grave pour les terroristes. C'est fini pour les terroristes. Ils rampent. Il rampe, il court. Non, c'est pas bon. J'ai dit, hein, les tours-ci, cette fois-ci-là, c'est pas bon.
Depuis des mois, j'ai commencé à ventiler les informations vraies qui sont ventilées sur la toile par la RTB et par l'armée de l'air du Burkina. Grâce à eux, nous avons les images propres. Les terroristes, là, ils ont demandé pardon. Ils demandent à la Turquie de ne plus livrer de drones. Ils disent à la Turquie de ne plus livrer de drones au Mali, au Burkina et au Niger. Vous avez vu le travail là? C'est-à-dire que les terroristes, maintenant là, ils avaient des villages, ils avaient des villes, tout, c'est fini. Ils sont maintenant en bruit, ils se cachent sous des arbres. Mais vous avez vu, ils ont été tous neutralisés. Au calme, au calme, au calme. Ils ont fait un communiqué hier pour dire à la société turque là, qui donne, n'est-ce pas, qui livre le drone. Là. Mais ce n'est pas cadeau. Le Burkina paye, le Mali paye, le Niger paye. Pour dire non, il ne faut pas livrer encore. Tellement que c'est fort sur eux. Les missiles, là, quand ils se rendent compte, là, ils sont pulvérisés. Mais les arbres où ils se cachent, là, comme des oiseaux, là, les arbres même ne sont plus des cachettes. Parce que, un pour eux, ils peuvent se cacher pas sous des arbres. Eux, ils sont invisibles. Alors que les drones, il y a infrarouge. Et on les voit. Présence humaine, on les voit. Mouvement, on les voit. Et donc, les drones, c'est des drones sans bruit. Et Ibrahim Traoré est dangereux. Ibrahim Traoré, non, il est dangereux. J'ai toujours dit, c'est le capitaine Courage, le Frotemougou. C'est-à-dire que celui-là qui a le remède des terroristes, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Les drones sont en l'air. Il n'y a pas de bruit. C'est-à-dire que c'est comme un papillon qui vole, qui n'entend rien. Et quand il s'en rend compte, là, mais c'est... Ils sont déjà déchiquetés. Vous les voyez courir non, comme des lapins. Vous les voyez courir. Maman, j'ai dit au Burkinabé que cette année-là, quand on va dire mois de janvier, là, oh non, on va aller, c'est-à-dire que sur tout le territoire, là, on ne va plus parler encore de terroristes. Parce que les médicaments, là, c'est les drones. Les médicaments, là, c'est les FDS. Les médicaments, là, c'est les VDP. Les médicaments, c'est les missiles. Le Burkina aujourd'hui est en retard, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Le Burkina aujourd'hui, là, ce n'est pas la défensive, hein. Ils sont à l'offensive. Ils vont chercher les terroristes. On dit, vous déposez les armes, sinon vous passez les pas très bas. Il faut saluer la même Burkinabé. Il faut saluer les patriotes Burkinabé. Il faut saluer les VDP Burkinabé. Alors c'est parti pour notre chant. Burkina Faso, langue Yomba. J'adore le Burkina Faso. Et je suis aujourd'hui, mon cœur est en joie. Chaque jour que Dieu crée, de venir vous annoncer les bonnes nouvelles du front au front. Le travail est propre, limpide, coriace, la puissance de feu. Merci au capitaine Courage Ibrahim Traoré pour le travail qu'il fait, pour le travail de la restauration, de la dignité, de la fierté, de l'honorabilité du peuple burkinabé. Burkinabé, je vous aime. Merci.